Ok, euh, je garde ce petit projet-là qu'on vient de faire dans la session précédente, euh, juste pour vous parler d'un petit aspect qu'on n'a pas parlé encore, qui sont super simples, mais vu qu'on parlait de maintenabilité du code et euh, de comment faire la maintenance, tout ça, euh, ça m'a venu en tête, un point qui m'était sorti de la tête. Euh, les commentaires, c'est rien de super sorcier, euh, c'est simplement des directives, pas des directives, c'est des indications. Euh, qu'on se donne à nous-mêmes ou à, aux personnes avec qui on travaille sur qu'est-ce que notre code est supposé faire. Dans la réalité, on mettrait pas de commentaires sur un programme aussi simple que ça, honnêtement. Euh, mais on va le faire pour pratiquer, en fait, simplement. Parce que tu sais, vous allez arriver à, éventuellement, vous avez un système, je sais pas, gestion d'inventaire euh, pour un jeu vidéo, un RPG, et là vous vous dites, ok, euh, comment ça fonctionne Faut qu'on puisse euh, sauvegarder l'item, qu'on puisse le... Quand on, lui, quand on lui on lui touche, on peut le ramasser. Quand on le ramasse, ça augmente dans l'inventaire, ça l'affiche dans l'inventaire du UI. Euh, ça peut devenir hautement compliqué. Donc on va essayer d'expliquer de, euh, par exemple ah, euh, cette méthode-là, une méthode, c'est un regroupement de, de lignes de code. Euh, cette méthode-là fait ça. Elle sert à ça. Elle va servir là. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc c'est un petit peu l'attitude qu'on va essayer d'avoir. On ne met pas trop de commentaires, on en met juste assez. Si on n'en met pas du tout, ça devient très difficile à maintenir aussi. Donc là, on pourrait par exemple écrire slash slash. Ça, c'est pour la ligne de commentaire. Ce qui veut dire, j'ai juste une ligne de commentaire. Je pourrais dire, ah, ça c'est, euh, je sais pas, euh, variable variable initiale à multiplier. C'est vraiment inutile de le mettre dans notre cas, mais peu importe, vous comprenez le principe. Et ça, on peut écrire dans le code sans problème avec des commentaires parce que le compilateur ne le prend pas en compte. Donc, si je fais start, vous voyez, il n'est pas écrit nulle part. J'écris 12, on le voit, on le voit pas nulle part. C'est la même chose si vous l'écrivez n'importe où, vous pouvez en mettre où vous voulez des commentaires, C'est vraiment pas un problème. Euh, L'autre truc. Aussi, puis ce qui est quand même utile, par exemple, si vous voulez juste tester, vous faites Ah, finalement, je sais pas, moi je pense que j'ai un bug ici. Des fois, juste de commenter la ligne, ça peut nous aider. On fait Start. Ah, ça compile. Il y a des... Ah, ben là, il y a des erreurs. Vous voyez, on vient de créer une erreur. Donc là, je sais qu'il y a le nombre 2 ici, il va bugger. Fait qu'on fait ça comme ça. Ah, là, j'ai plus d'erreur. Tout est beau. Euh, ça veut dire que c'est cette ligne-là qui va me poser une erreur. C'est pas la méthode de débug la plus professionnelle et la plus à l'épreuve de tout, mais ça, ça, ça peut être utile tant qu'on ne sait pas comment déboguer comme il faut. Donc, euh, autre possibilité aussi, on a créé, je ne sais pas, une, un bon bloc de code, puis on fait « Ah, ça, finalement, je ne suis pas certain que c'est la bonne façon de le faire, mais j'ai pas envie de le déliter. Euh, » On va faire un bloc de commentaires. Un bloc de commentaires. Euh, ceux qui ont fait du HTML, CSS, JavaScript, c'est toute la même chose, ou presque. Euh, c'est le même que sur JavaScript, c'est étoile, étoile, slash, et on le finit par « euh, slash étoile, on le finit par étoile slash. Donc là, tout ce qui est en vert ici, la console ne le prendra plus en considération. Ce qui veut dire que pour notre logiciel, il euh, n'y a pas de nombre 1, ça n'existe pas parce qu'il est en commentaire. Et vous avez le nombre 2 aussi qui est en commentaire. Euh, on peut mettre, on peut utiliser ça pour mille raisons. Euh, moi, je crée un nouveau système, je veux juste avoir un minimum de reconnaissance. Je me fais un espèce d'entête, puis là, je vais faire n'importe quoi juste pour que ce soit beau. Ici, code. Surpins, 2017, Le fais n'importe quoi, les étoiles c'est pas grave, c'est justement pour montrer qu'il n'y a rien d'important là, euh, tout droit, réservé, après ça on pourrait rajouter nos courriels, je sais pas, vous voyez c'est quand même, euh, c'est un peu fait pour ça je vais être honnête, c'est fait pour un encadré, donc, euh... donc vous comprenez le principe, j'ai pas besoin vraiment de faire ça pour le fun, là. je crois pas mettre de propriété intellectuelle <laughs> sur ce code-là, ce serait très difficile, donc, euh, et voilà, c'est ce qu'il y en a pour les commentaires, c'est rien de super difficile, mais c'est juste bon à savoir, en fait, étoile, slash étoile, étoile, slash pour la fermer, euh, je suis pas obligé de mettre des étoiles là non plus, je peux faire n'importe quoi, entre ça et ça, je peux faire absolument n'importe quoi, le compilateur, le logiciel ne le prendra pas en considération. Donc euh, on se voit dans la prochaine vidéo où on va parler, si je me souviens bien, des soit les comparateurs, les conditions, quelque chose comme ça. Je vais aller voir avec vous. C Sharp. C'est les conditions. Ça, c'est là que ça devient super le fun. En tout cas, à mon avis, ça devient le de fun. On vient mettre un petit peu d'intelligence dans notre machine. Donc, euh, on se voit dans la prochaine capsule.